La France replonge dans un passé douloureux alors que s'ouvre ce mercredi le procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. À la barre, 14 prévenus, complices présumés des trois terroristes abattus par la police. Le 7 janvier 2015, deux hommes lourdement armés et cagoulés investissent les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Au cri de Allahu Akbar, ils abattent les principaux membres de la rédaction, dont les dessinateurs Cabu, Volinsky et Charb. Dans leur fuite, ils tuent également un policier. En tout, 12 personnes sont abattues ce jour-là par les frères Kouachi, qui ont agi au nom d'Al-Qaïda pour, disent-ils, venger le prophète après les caricatures du journal. En France, l'émotion est immense. C'est la liberté d'expression qui vient d'être attaquée. Le lendemain matin, une jeune policière est abattue à Montrouge, aux portes de Paris. L'hypothèse d'une attaque coordonnée est aussitôt envisagée. Toujours en fuite, les frères Kouachi sont repérés le lendemain au nord de la capitale. Une vaste chasse à l'homme est engagée. Elle se termine dans une imprimerie à Dammartin en Gouëlle, où les deux terroristes se sont retranchés avec le gérant pris en otage et un employé qui se cache dans un meuble sous un évier. Encerclés, les deux frères finissent par sortir du bâtiment et sont abattus par la police. Pendant ce temps, une autre prise d'otage a commencé dans le magasin Hypercacher de la porte de Vincennes. L'assaillant est identifié comme étant Hamedi Koulibaly. C'est lui qui a tué la policière à Montrouge. Dans la supérette, il tue un employé et trois clients, tous juifs. Il reconnaît être en lien avec les frères Kouachi et se revendique de l'État islamique. Vers 17h, il est à son tour abattu par la police. Après ces attentats, la France est sous le choc et se recueille comme rarement. 3,5 millions de personnes défilent dans tout le pays pour condamner le terrorisme et défendre les libertés. Dans le cortège à Paris, de nombreux chefs d'État étrangers entourent le président de la République.